is right. We keep moving in different rhythms. Still, I know what you feel. We keep moving. Maman pour la deuxième journée. Hein? Tu es avec moi? Tu es avec moi aujourd'hui? On est lundi et petit Didou est avec moi. C'est officiellement le dernier weekly vlog que vous allez voir avant les vacances et cette semaine va être pas mal consacrée à ses préparatifs. Et là avec Didou, on prépare aussi notre départ parce qu'on va quitter cette maison. Ben, à notre retour du coup des vacances, ben, je commence un petit peu à vider tout ce dont on va pas se servir les deux prochaines semaines. Voilà, donc j'ai commencé par le tiroir à vaisselle parce que j'avais ramené pas mal de mes vaisselles, de ma vaisselle. La maison elle est équipée, faut le savoir, mais équipée pour des vacances. Et donc pour y vivre pendant plus de 6 mois, c'est pas ce qu'il faut. Tu dis bravo? Ouais. Oh là là. Tu dis café? Café. Café. Presque. J'ai un petit chat qui répète tout. Qui essaie de tout répéter. Un gâteau? Gâteau. Gâteau? T'aimes bien les gâteaux toi? Mais mon petit chat, c'est pas du tout l'heure du gâteau là. Regardez-moi ce petit corps, il a trop vite grandi ce petit garçon. Attends. Attends. J'ai cru entendre aussi Alba. Alba? Alba. Alban, c'est un camarade de la maman. Hein? Oui. Allez. T'es sage, maman, elle s'y remet. D'accord? Et après, je vais te servir à manger. Oui, parce que là, il est 11h. Et dans une petite demi-heure, c'est petit monsieur. Il mange. Le bébé bonheur. Allez, maman va prendre son café. Speak so loud even though I hide. Like I'm hypnotized, can't get out of here. You don't know me, I just need my time. Yeah. But they say se préparer un petit peu. Je vais faire une... Je vais m'attacher les cheveux parce que j'ai les cheveux sales comme vous voyez. Enfin, en fait, ils sont gras au niveau des racines et je pense les laver tout de suite pour celles qui vont me demander où sont mes extensions. Elles sont là. Vous voyez ? Sur la route, on va chez ma copine pour qu'elle me fasse les ongles et je voulais vous poser une question. Est-ce que c'est normal de culpabiliser lorsqu'on a deux enfants quand on n'est qu'avec l'un d'entre eux? C'est horrible. Bon, je suis à fleur de peau, hein, voilà. Niveau hormones, je pense qu'on n'est pas loin du
de la fin du cycle, je sais pas. Mais là, je vais chialer si j'en parle encore plus. Mais genre là, le fait que j'ai que Aïdine et pas Anna, ça me fend le cœur. J'ai l'impression de faire du favoritisme. De même quand je suis qu'avec Anna. Et c'est vraiment pas bon parce que je crois que le mieux pour les enfants, c'est qu'ils aient chacun un petit peu de temps avec les parents seuls. Mais je sais pas, je culpabilise de fou. Voilà. À tout à l'heure. Coucou Anna. Tu dis au revoir Anna. Au revoir. Allez. Bon, en même temps que je vais courir sur mon tapis derrière, je pense que je vais vous prendre sur Instagram en live. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je pense que quand j'aurai le temps de courir sur mon tapis, ben, je vous prendrai avec moi pour vous donner une petite dose de motivation. Donc mon Instagram, c'est basmayTB. Allez, let's go. Bon, je suis dégoûtée. Là, au moment où je vous parle, je suis de marloire, je vous jure. J'ai commencé à faire un live avec vous sur Instagram et ça a coupé. Du coup, j'ai attendu que ma séance ait fini pour vous dire que j'étais désolée, machin et tout. Après, on n'y vit pas, donc j'ai pas de wifi, j'ai que de la 4G. Et tellement je suis marloire, hein, au lieu d'attendre Mister jusqu'à ce qu'il revienne, ben, je me suis dit je vais faire une séance. Alors j'ai nommé un exercice qui s'appelle session de la flemme. C'est-à-dire quand j'ai la flemme, ben, je vais appuyer sur ce truc. C'est vraiment très léger. Tu cours 30 secondes, tu marches 30 secondes, pas très vite. C'est juste histoire de se bouger un peu. Et je me suis ajouté ça à ma séance. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Oui. T'es belle. Regarde, maman, tu fais coucou. Regarde, Anna. Anna. Regarde-moi. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Bon, je viens de déposer Anout. Aujourd'hui, elle a encore une sortie, donc je l'ai déposée. Et là, je vais chez ma copine qui est pas loin de le lieu de sortie de Anna. Donc, je vais aller coiffer sa fille. J'aime trop coiffer, je vous jure. Et là, ils partent eux aujourd'hui parce que je vous ai pas dit, mais on part avec nos amis en vacances. Donc là, eux, ils partent aujourd'hui. Ouais, je vais coiffer la petite, comme ça au moins elle sera toute pimpante, toute belle. Ah, j'ai trop hâte. Oh mon dieu, là je vais rentrer chez eux, ça va être l'ambiance vacances, les valises. Oh là là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bon, c'est pas comme si on partait dans longtemps parce que nous on les rejoint dans quelques jours. Voilà, en tout cas je vous l'ai dit, c'est le dernier jour que vous allez voir de nous ici en France. Voilà, allez. Ah bon, après c'est pas comme si le temps se prêtait au jeu parce que là clairement il fait gris, mais gris. Donc voilà, c'est pas très très ouf. Mais je suis trop contente. Ouais. Allez, let's go. Elle a des trop beaux cheveux, ma femme. Parce que si on a pas le temps, ça sert à rien de se presser. D'aller jusqu'à là-bas, tu vois. Allez, bon voyage. Allez, mais regarde. Bon, et bien j'ai changé de haut parce que ce matin j'ai mis ton haut à toi en fait. Ah ouais? Ouais, j'allais être en retard sinon pour Anna. Donc t'as mis un haut en dodo? J'ai mis le blanc? Le blanc là, ouais. Ouais, bah il est trop petit donc ça devient le tien maintenant. C'est comme le gris. Les filles, écoutez, si vous voulez récupérer les pulls de vos maris, mettez-les dans le sèche-linge. Puissance maximale. Là c'est sûr, il vous ira et lui il pourra plus jamais vous dire ah vas-y, on le met sans pile là. Non, j'insinue pas que tu parles comme ça. Bref. Là, on va aller récupérer mon Didier. On a récupéré Anna aujourd'hui. Elle avait rendez-vous chez l'orthophoniste. Et juste avant, elle avait une sortie. Donc, de toute façon, vous avez vu ma matinée. Je suis allée coiffer Delia. Ah, super. Je suis trop dingue. J'aurais voulu prendre. Elle part. Et oui, elle est partie. Elle était trop belle. Je lui ai mis son petit pull sur les épaules. Elle est trop jolie. Bref. Nous faut qu'on boucle nos valises parce qu'en fait. Ils ont décollé. Je sais pas. Ah, elle m'a envoyé un snap, viens, on regarde. Ah bah tu vois. Tu sais que je l'ai pas regardé exprès pour qu'on le regarde ensemble. Ah bon. Ça y est, ils y sont. Hein. Ouais, ils sont en train de passer. Ah, ça y est, ils sont passés. Super.
Elle a pris un siège auto? Je sais pas. Oui, je crois, c'est ce qu'elle m'a dit. Ouais. Ah ouais, il est à l'envers. Ouais. Et tu vois? Quoi? On est bête. Qu'est-ce qu'il y a encore? On aurait dû prendre toute la housse. Bah, c'est pas grave, je vais la laver dans notre machine à laver ici. La housse du siège auto. Ah ouais. Oui, parce qu'elle. Non, franchement. Il finit à 17h? Non, il finit à moins le quart. Mais non, il finit à moins le quart pour pas être en retard. C'est pas grave, on le lavera. Parce que lui, si tu le fais sécher, je crois, c'est pas bon. Ah. Et oui, c'est de la mousse qu'il y a dedans. Ah, mais en plus, il est pas sale de fou le sien. Non, tu le jettes juste dans notre machine à laver. C'est juste histoire d'enlever 2-3 taches de. Tu vois, quand tu bois son biberon ou quoi. Ouais. Donc là, on va récupérer Aydin. Ensuite, on va aller à Intermarché pour récupérer des billes parce qu'on lave encore nos habits en laverie. C'est une longue histoire. Il y en a qui comprennent pas. Mais pour ceux qui sont là depuis le début, vous savez, en fait, on n'est pas chez nous actuellement, donc on n'a pas de machine à laver. Et on loue une maison de vacances. Voilà. Donc, en fait, c'est une maison qui est pas. Elle est pas équipée de fou non plus. Il y a une machine à laver, mais elle est toute petite et elle lave extrêmement mal. Elle lave pas. Je vous jure, hein, je vous dis la vérité, j'ai mis. Anna, elle a eu des accidents. Elle a fait pipi. Voilà. Et du coup, quand je mettais les habits dans la machine, peu importe le mode le réglage que vous mettez, enfin le mode de lavage, l'odeur est la même que quand vous lavez rentrée. Voilà. Et ça, franchement, je peux pas. Donc, et on va pas aller acheter une machine à laver et non, la mettre dans une maison de vacances. Qui n'a pas d'électricité Non, mais même. Ah non, hors de question. Par contre, les gars, bon. Vous savez qu'on habite en montagne. Déjà que ça nous fait bien chier de me taper genre 30 km de plus. Ouais, c'est ça. Voilà, on va éviter de. En plus. Aller et retour. Hein. Ouais, aller et retour, ça c'est que le trajet aller, c'est énorme. Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Calme-toi. Donc voilà, là on va aller à Intermarché acheter les billes pour laver les habits pour qu'ils sentent un minimum bon. Ensuite on va récupérer. Non, d'abord on récupère Aydin, ensuite Intermarché. Ensuite Action pour acheter les petits flacons et vider dedans mon shampoing, enfin les shampoings des enfants, etc. Et acheter tout ce qui reste à acheter pour la valise. Parce qu'on part finalement dans pas si longtemps que ça. Aydin check et billes check. Habituellement, je prends soit les dorés, les jaunes là, ou les rouges. Non, les. Bref, c'est une couleur un peu violette. Rose-violet, ouais. Et là, j'ai pris ceux-là. Et en fait, ça sent mais trop bon. Ça sent juste la lessive, mais fois mille. Donc, voilà. On va essayer, on vous dira si c'est aussi intense que les autres. Et là, on va à la laverie. Let's go. Bon, je suis à la laverie. Allez. Je vais mettre tous les habits. Et on va les payer. Donc la 14 et la 12. Bon, on vient de rentrer de notre petite escapade Action. On a couché les enfants et là, Mister, il m'a fait un petit café froid. Non mais vous ne voyez pas comme ça. Voilà, un petit café froid avec, un cappuccino froid avec du caramel. Trop trop bon. Et on a acheté quelques trucs que je vais vous montrer chez Action et on est passé aussi chez Zeeman. Et ça, je ne vous l'ai pas montré, je crois. Mais je vais vous montrer ce que je kiffe mettre à Anna depuis que j'ai découvert ces ensembles sous-vêtements chez Zeeman. Moi, je lui mets en guise de pyjama parce que c'est un petit short et un débardeur. Mais bref, c'est trop beau. Je vais vous montrer. D'ailleurs, pour celles qui ont des filles, des enfants qui sont fans des poupées LOL, vous avez trop kiffé. Bon, moi, j'ai pas pris les poupées LOL parce qu'elle en avait déjà un d'ensemble comme ça. Mais sachez qu'il y a la poupée LOL, il y a Bambi. Je sais plus ce qu'il y a encore. Mais bon, bref. Je sais pas si vous voyez le ciel là. J'entends un peu des bruits.
et j'ai l'impression que ça grogne. Sauf que moi, j'ai trop peur de l'orage. Ah non, c'est de la musique. Non, il y a un moucheron. Donc voilà. Je bois ça tranquillement. Ensuite, je vais rentrer pour voir qu'est-ce que je vais faire à manger pour Mister et moi ce soir. Et ensuite, on va étaler notre valise par terre et on va vous mettre avec nous pour vous montrer grossièrement ce qu'on met. En tout cas, on va pas la boucler aujourd'hui, c'est sûr, hein, parce qu'il reste nos affaires qu'on utilise, nos brosses à dents, nos dentifrices, nos shampoings, machin et tout. Mais il faut qu'on ait les vêtements. Et ouais, les vêtements au complet. Et qu'on n'aura plus qu'à ajouter nos affaires de toilette qu'on utilisera jusqu'au dernier moment, quoi. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour les enfants. Oh là là, mais qu'est-ce que ça sent bon. Bref, je vous montrerai ça tout à l'heure. Non, ça grogne. J'ai envie d'aller courir. Non, 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 non. J'ai marre des moustiques. Oh, j'ai trouvé un spray anti-moustique. Parfumé. Il sent pas la citronnelle ou les trucs bizarres là qu'on connaît. Parfumé. Je vais vous montrer après. Bon, je sais pas s'il est efficace, mais je vais vous montrer parce qu'il sent très très bon. On commence à préparer la valise. Ouais. Là, je suis en train de remplir avec les habits qu'on avait déjà à la maison et on va vous montrer, on va faire un petit haul de ce qu'on a acheté. Tu commences par ce que tu t'es acheté. Ouais, ce que je me suis acheté moi. Moi, je suis allée chez Primark. Ouais. Et l'été, j'aime bien mettre des trucs. Basiques. Genre basiques. Mais vraiment, genre unis. Ah, rien d'autre. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce qu'il n'y avait pas toutes les couleurs. En fait, il n'y avait pas des ensembles de toutes les couleurs. Ouais, des fois, j'ai chopé que le haut. J'ai pris des shorts comme ça. Ok. J'en ai pris donc un violet avec un t-shirt qui va avec. Tu vois, regarde, hop, un t-shirt violet. Il est beau. Ah, il s'est tout froissé. Ouais, et le t-shirt, je l'ai pris en taille M. En fait, ouais. J'aurais préféré prendre un S, mais il n'y avait pas de problème. J'ai pris du M. Ça lui allait bien quand même, le corset. En fait, ils se sont fait dévaliser. Oui, bah oui, j'imagine. Les gens, ils ont bien aimé. Mais il y avait les mêmes l'année dernière chez Zara. Donc, j'ai pris celui-là. J'ai pris après un t-shirt noir, un t-shirt jaune. J'ai pris un short bleu. Je suis dégoûté de ne pas avoir trouvé le t-shirt par contre de celui-là. J'ai pris un t-shirt vert, franchement j'aurais trouvé un short de cette couleur aussi. Ça aurait été cool. C'est vrai. Un orange. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Un short gris. En fait, ouais, peut-être que je... Et un autre short gris, noir, pardon. Et des chaussettes. Il y a Aïdine qui s'est réveillée. En fait, peut-être j'aurais dû les mettre à plat. J'aurais dû les mettre à plat. Parce que finalement, je gagne pas tant de poids que ça. C'est parce qu'on m'écoute. Je vais voir Aïdine, je reviens. En fait, là, elle part en espérant que quand elle revienne, se soit mise à plat. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle a tort? Le temps nous le dira. Ah là là. Elle m'écoute jamais, tu vois. Elle n'écoute pas. Allez, je dois tout ressortir. N'importe quoi. Qui met les trucs en boule dans une... Elle a saucissonné mes t-shirts. Moi, je me prends la tête à les plier. Là, moi et mes enfants, on est ready. Eh ben, figure-toi que non. Bah si. Et non, ils ont encore d'autres habits. Ouais. Franchement, toi, t'es qui? Qui, moi, je suis qui? Toi. Allez. Bon. Le petit Anne de chez qui a dit. Ouais. C'est tout, il n'y a que ça. Bon, ça. Ça, vous savez quoi, je vais quand même le prendre. Basma, elle ne veut pas. Ne sait-on jamais. C'est vrai. Parce que l'autre, on le perd. Eh, même pas. Celui-là, on est dans la voiture. L'autre, on laisse à la maison. Grave. L'autre, je vous montre juste après, c'est un qui est parfumé. Je m'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais on va y revenir. Les bonnes idées de base. J'ai pris des petites chaussures comme ça pour Aïdine. Voilà, parce qu'elle était trop mignonne, trop belle. Donc hop. Regardez-moi ça. Trop jolie, cette petite combi en lin là. C'est à qui ça? C'est à Aïdine. Oui, il faut savoir qu'Aïdine, ça lui va trop bien. Je sais pas pourquoi. Ça lui va trop bien. C'est incroyable. Ah ouais, c'est. Je vais lui acheter des tu vois, des. Comment ça s'appelle là? Les trucs de costume là. Tout ce qui est un peu classe et tout. Ouais, ça lui va trop bien. On va l'habiller comme ça, il va avoir 2 ans, il va avoir une dégaine des mecs de 60 ans. De 75 ans, c'est vrai. Encore toujours pour Aïdine. Ah, pardon. Ah non, c'est pour. Ouais. Toujours pour Aïdine, un joli petit polo comme ça, et devinez qu'il a le même. Bon,
À peu près. De chez Hugo Boss, mais c'est la même chose. À peu près le même. Eh bien, c'est papa. C'est moi. Donc, pour aller avec ce polo, je lui ai pris un petit short. Et moi, j'ai pris une tenue. En fait, moi, les gars, je suis tellement un bon influenceur. Est-ce que ça filme pas au ralenti, là? Non, sinon, il y a un micro qui est barré. Le truc rouge autour. Non. Est-ce qu'il y a un micro qui est barré? Il y a une batterie qui est barrée. Oui, bon, on va parler. Oui, donc, parce que je suis un bon influenceur. Il a pris une robe de la même couleur que son ensemble violet. Et Aydin, il a un polo le même que le mien. Vous voyez? Alors qu'elle... Est-ce qu'elle a pensé à vous? Est-ce que tu as pensé à vous? Oui. La photo marron, là, avec nous tous. Frère, c'est en décembre. J'ai pris un lot de deux petites grenouillères pour Aydin. Short, t-shirt en un, là. Bleu en, et en jaune. En un? C'est oui. Pas en un, Basma. En un. En un. Tout, les deux en un. Deux en un. Regardez ce short pour Anna. Et il irait bien avec quoi? Le t-shirt jaune que j'ai acheté. Mais les gars, je pense à toi. C'est faux, je vous jure, on n'a pas bien fait. Une petite combi short pour Anna. Ah ben, trop bien, madame. Et regardez, Anna. Elle m'a dit, je veux jolie rose, rose, jolie, je veux. Voilà. Donc je lui ai acheté un petit t-shirt rose. Ensuite, Village Marque, on avait chauffé quelques pieds de tenue. Ici, on a une combi short pour Anna de la marque Carrément Beau. Elle est trop belle. Et elle a une robe aussi. Qui est déjà mais elle l'a déjà portée, donc je ne l'ai pas montrée. Et ici, on a un petit ensemble pour Aydin. Donc, hop, petit short, combi short comme ça, salopette short. Et un petit t-shirt. Ouais, de chez Timberland. Ah, c'est Timberland. Ouais. Parfait. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est coloré, ça sent les vacances, regarde. Regardez comment c'est coloré. Mais attends, regarde ce que j'ai pris pour Anna. Tu l'as vu ça? Wow. C'est trop beau, hein. C'est super. Petit sac comme ça que j'ai eu chez Ziman. Elle kiffe en plus, ça. Ouais. Vide-le, ça va nous faire gagner du poids. C'est vrai. Je vais enlever les étiquettes aussi, elles sont lourdes. Je lui fais porter le jour même ou pas? Tu sais, j'aimerais bien qu'on fasse qu'on se fasse une blague à nous deux. Ouais. Qui va peut-être nous faire pleurer. Ouais. De peser alors qu'elle est remplie qu'à moitié. Non, j'ai pas envie. T'as pas envie? Non. Allez, niveau vêtements, on va en enlever un peu pour les mettre dans des petits sacs à dos. Attends. Ici, j'ai pris 5 petits body pour Aydin de chez Ziman. Donc, je l'ai lavé là-bas, on a une machine sur place. Oui. Hop. Oui, parce que là, on met que des vêtements neufs. Ouais. Pour ma doucette, pyjama, mais trop beau. Quand elle les porte, elle est vraiment trop trop belle. En fait, c'est des débardeurs comme ça, il y en a toute l'année chez eux. Et avec, ils vous vendent des petits boxeurs. Et c'est trop joli sur une petite fille comme ça. Et les deux peuvent aller avec ce même t-shirt. Donc je lui en ai pris un de ces motifs-là et un autre avec ces motifs-là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a aussi de la marque, enfin de la marque avec des petites poupées LOL et tout. Donc ici on a des petites oreilles. Caméra la coupée, donc là on vous reprend rapidement pour vous montrer ce qu'on a pris. Attends, il y a encore des trucs là-bas. Il y a quoi là-bas? J'avais acheté des trucs pour Anna et pour Aydin. C'est dans mon sac à dos ça. Je leur ai pris des petits livres, un Mickey et un La Reine des Neiges. Et un petit cahier de coloriage. Avec ça. Vous voyez? Alors, je sais même pas ce que c'est des feutres. Hein. Washable mag. Ouais, c'est des marqueurs lavables. Donc, ça, c'est parfait dans leur petit sac. Sac à dos. Ça, tu le mets là-dedans. Je sais pas si je lui mets. Tu l'as vidé de ce qu'il y a dedans, parce que c'est lourd hein, ce qu'il y a dedans. Maintenant, on va vous montrer ce qu'il y a dans la pharmacie. Bon, on va voir la pharmacie maintenant. Oui. Spray, c'est celui-là. C'est un spray parfumé. Ça sent pas du tout les sprays qu'on connaît, la citronnelle, machin. Là, ça sent le parfum pour bébé. Ça sent trop trop bon. Et de cette marque, vous avez aussi toutes les senteurs un peu type monoï, coco. Qu'est-ce que il y avait aussi agrumes. Bref, ça change de fou et ça sent super bon. Et on verra si c'est aussi efficace que ça sent bon. Mais je vous en dirai des nouvelles. Ensuite. Pour être serein en vacances. Et ne pas avoir mal au bide, achetez du Smecta. Smecta, la boisson préférée des vacanciers. J'ai pris goût fraise. Oui. Ouais. Ceci n'est pas une annonce publicitaire. Hein. Peuble, hey, ça va ou quoi? Bien. Tranquille. Voilà, je suis fatigué, les gars. Je suis réveillé depuis 5h du matin. Il est 22h. Allez, on va terminer. Donc, hop, Smecta. Regardez-moi ça. Un sabon. Sabon. Mais les gars, sentez-moi cette merveille. Pour ceux qui sont adeptes de la marque Clorane, il faut que vous sentez ça. Et pour les voyages, je pense qu'il n'y a rien de mieux. C'est trop bien. Ok. Ici, c'est une solution réhydratante au cas où il y a forte diarrhée, etc. Donc, je viderai les sachets parce que la boîte elle est trop grosse.
Des lingettes de la même marque que les savons. Ouais. Extraordinaire. Ça sent trop bon cette odeur. Ils les vendent ensemble, c'est ça ? Pour vous dire un petit peu, moi j'alterne entre Chlorane et quand j'en ai marre de Chlorane, je prends Biolane. Ouais. Et moi, effectivement. Alors lui, il jure moi, que c'est par ça. Et d'ailleurs, tu n'as qu'acheté qu'une boîte. Tu n'as qu'acheté qu'une boîte. Pourquoi tu comptes en prendre 10 ? Mais au moins deux boîtes, wesh. Mais c'est que pour les vacances. Les vacances, oui. Elles ne vont pas durer des masses. Non oui, plus. Mais si jamais j'ai mal au crâne tous les jours, il y a 16 comprimés. Et alors, il y a 16 jours, non ? 16 comprimés, si j'en prends 2. Mmh. 2. J'en prends 2 à chaque fois. Mmh. Si c'est tous les jours, ah, ça passe. C'est bon. Je peux avoir mal au crâne tous les jours, mais allez. Allez, remets-les dans le sachet. Nickel, mais ça, je vais le finir. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne va pas les laisser là, ça va prendre trop de poids. J'ai même pas encore mis mes habits. D'ailleurs, regardez mon maillot que je vais prendre. Là, c'est le haut, un classique comme ça. Mais le bas, c'est un short. Et je suis trop à l'aise dedans. Je suis trop à l'aise. Alors, moi, c'est ni échancré, ni. Moi, j'aimerais bien, écoute, si tu me l'autorises, j'aimerais bien faire une pesée. Avec maintenant. Nos amis là, ici présents. Allez, vas-y. Une ah oui, et pesée. Mon deuxième maillot, c'est lui. Je vais en prendre plein de maillots. Vous n'êtes pas au bout de vos peines là. Parce qu'on va les porter avec ma copine, toutes les deux. Ici, j'ai un maillot noir. Et derrière, en fait, ça me gêne un petit peu. C'est qu'il est crocheté avec plein de. Enfin, voilà. Et ça, pour le bronzage, c'est pas top du tout. Mais je le prends quand même. Ouais, j'aime bien, je fais du. Mais pourquoi tu voulais prendre moi pareil ? Allez, vas-y, referme. On va sous-peser tout ça. Alors, je pèse combien ? Quel bel homme. 66 tout pile. Quel poids parfait, magnifique. 60 tout pile. Alors, maintenant, avec la valise, vas-y. Avec la valise, hein. Et combien ? 79,9. 78,9 moins 66. T'es sûr, je pesais pas 56. 66, ça me paraît beaucoup quand même. Allez. Je me connais. 12,9 kg. Mais l'autre côté, tu vas voir, elle va dire 10,9 kg. Ça veut dire là, je peux mettre encore des chaussures, des habits et tout. Vas-y, repèse, repèse. Pourquoi je la repèse ? Vas-y, je me repèse déjà moi. Elle a même pas hésité. Non, mais c'est. Ah ! Tu vois, je perds du poids. Et tu me fais parler, je perds du poids. C'est bon, tu m'épuises, voilà. Je perds du poids en direct. J'en ai marre. Oh là, je vais aller dormir. C'est bon, je m'en.